suis le petit héros cosmique. La grande peur de Sam-Sam. Youhou! Sam-Sam, moins vite, j'ai peur. Quel trouillard! Regarde, hop, sans les mains. Hop, sans les yeux. Bravo! J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Ramène-moi à la maison, mais en douceur cette fois-ci. Mais ça va, Sam-Sam? Je ne peux pas remonter dedans. J'ai peur maintenant. Salut, fiston! Eh bien, elle est où, ta soucoupe? Je... Sam-Sam, ta soucoupe? Elle est tombée en panne. Ah bon? Il faut aller la remorquer, alors. Hé! Hey, sortez de là! Et plus vite que ça! Direction le trou noir! On va piller les épaves qui s'y sont échouées! Tu as bien mis le frein à main? Oh oui, Jeff! Parfaitement cette soucoupe. Qu'est-ce que tu m'as raconté? C'est-à-dire que... j'ai menti. J'ai eu un accident et depuis, j'ai peur de remonter dedans. Ah, voyons, Sam-Sam. Il suffit de faire attention la prochaine fois. Approche. Oui, papa. Sam-Sam? Alerte! Des monstres ont pris le contrôle d'une planète! Y a-t-il un héros cosmique de garde aujourd'hui? Encore une planète à sauver! Je devrais être de retour dans la soirée! On reparlera de tout ça à ce moment-là! Jamais je ne deviendrai un héros cosmique comme mon père! Je suis un froussard! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces pires atroces? Leur vaisseau! On dirait qu'il avance tout seul! Si ça continue, il va s'écraser sur notre planète! Oh non! Les gens sont un radin! Ils pourraient tout de même jeter quelques objets de valeur! Sam-Sam, j'ai confiance en toi. Mais enfin, dépêche-toi tout de même. Il va s'écraser. Je dois le piloter. Courage! Tu peux y arriver. Ouf.
Bonjour, ma comète. Ça va? Ça s'est bien passé? Comme d'habitude, c'était trois fois rien. Une dizaine de monstres à ratatiner. La routine, quoi. Le principal, c'est que j'arrive à l'heure pour mon dessin animé préféré. Et ici, quoi de neuf? Eh bien, ton fils a sauvé la planète en redressant le vaisseau Piratros qui allait s'écraser sur nous. À part ça, rien de spécial. Bravo, fiston! Mais au fait, je croyais que tu avais peur de piloter. Voyons, papa, tu oublies qu'un héros cosmique comme moi ne reste jamais sur un échec. Mais notre vaisseau, j'étais pourtant sûr de l'avoir garé dans ce coin de l'espace. Regardez, chef, là-haut. Le voilà. Mais il fonce droit sur marche. Vite! Avant qu'il ne s'écrase! Où est le crétin sidéral qui m'a dit qu'il avait mis le frein à main? Ce n'est pas moi, chef! C'est lui! Oh!